c'est de ne pas nous écrire pendant le live. Je vous répondrai après. Merci les amis. Alors Nicolas est devant des stèles. Est-ce que tu vois des dates? Oui. Ah oui. On a le nom et tout, film pas parce qu'on a le nom. Ouais ouais. Donc tu as. Juste le prénom, j'ai Esther. 1826. D'accord. Ok. Mais comme vous avez pu le voir, oui, regardez. 86 ans. 86 ans? D'accord. C'est bon à savoir. Quand on leur posera des questions, de savoir quel est leur prénom. De toute façon, allez. Alors, je vais essayer de retrouver le groupe. À moins qu'ils soient à l'intérieur. Je sais pas. On va les voir. On est 130. Merci à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Il est important que vous puissiez bien entendre pour le bon déroulement du live. Ah non, je peux pas passer par là. Je vais essayer de passer par l'autre côté. D'accord. Ok. Donc là, c'est la petite visite qu'on vous fait. Donc lieu très ancien. Et là, qu'est-ce qu'on a comme date? Alors, je te confirme, c'est juif ici. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Remarque, c'est vrai qu'il n'y a pas de croix. Oh, oui. 1800. 1800, d'accord. Mais c'est malheureux que ça s'abandonne. Ça s'effondre, vous voyez. 1828 et 1823. C'est possible, potentiellement de la même famille ou du même clan. Il y a un lien pour qu'ils s'enferment comme ça. Autour, qu'ils mettent une grille, c'est que c'est ce qui serait l'équivalent de nos caveaux maintenant actuels, où on met alors, plusieurs tombes. Regardez les amis, on a pas mal de tombes où il y a pas mal de morceaux. Regardez. Oui, c'est vrai. Alors je pense que ça doit signaler quelque chose. On va faire des recherches. Parce qu'il y en a une sur le, ouais, sur le haut de la tombe. Alors je sais pas, est-ce que c'est une reconnaissance, je sais pas. Du tout. Parce qu'il y en a une là aussi. Ouais, ils mettent des... peut-être en passant, ils mettent ça. Il y en a une là. C'est peut-être un passage où ils mettent, comme on fait un cairn ou un truc comme ça. Je pense. Pas les mêmes noms. Non, je pense que c'est des offrandes. Avec les alliances, oui, c'est le même nom. C'est des offrandes. Quand il y a une femme, elle n'a pas le même nom. Ok. Les filles. Bon. Allez hop. Voilà, la petite visite du cimetière. Est-ce qu'il y a un esprit ou une entité qui veut communiquer avec nous ce soir, s'il vous plaît? Vous avez dit oui? N'hésitez pas de parler plus fort s'il vous plaît pour qu'on puisse bien vous entendre. Si vous entendez bien les amis, je me rapproche un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici s'il vous plaît qui veut communiquer avec nous s'il vous plaît? Bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un bruit par exemple, ou toucher un pod, ou toucher la lumière pour montrer votre présence? Alors ça va bouger un peu, je m'en rapproche. Pour tous ceux qui veulent communiquer avec nous.
Touchez un pote, s'il vous plaît. Le pote, c'est l'antenne, c'est l'appareil qui a une antenne. Et qui est bleu. Ou blanche, au choix. Bonsoir. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez froid, messieurs, dames? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît, merci. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Alexandre. Je suis avec Nicolas, Lucille et Anthony. Et vous? C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas communiquer avec nous, s'il vous plaît? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne veulent pas communiquer. N'ayez pas peur, notre démarche est pacifique, nous ne sommes pas là pour vous chasser, nous sommes là pour montrer comme quoi vous êtes réel, messieurs dames. Merci. Est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez, avant qu'on vous parle, que vous étiez mort? D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie? Est-ce qu'on pourrait savoir votre métier? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous pouvez nous dire ce que vous faisiez avant. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Merci. Okay. Je ne vais pas dire d'autres mots, mais bon. Moi, j'arrive. Est-ce que vous savez qui on est? Est-ce que vous savez qui on est? Si oui, dites-nous. Non. 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 Alors nous sommes des enquêteurs dans le paranormal. D'accord. Comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et hélas, vous êtes morts. Vous êtes des esprits. Mais sachez que la vie continue grâce à vous, grâce à votre manifestation, pour le fait que vous, vous communiquez avec moi, d'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous gêne? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous gêne? Et oui, quel est son prénom? Est-ce que vous avez le droit de parler avec nous? Est-ce que vous avez le droit de parler avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui vous empêche de parler avec nous? Dites-nous. Est-ce que c'est quelque chose de l'autre côté qui vous empêche de communiquer avec nous? Dites-nous. Et
Est-ce qu'il y a des enfants ici? Si oui, dites le mot enfant. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on les aide? Si oui, dites le mot aide. Merci. Il y a un Romain avec nous. Il y a du Romain, s'il vous plaît. Est-ce que Romain est un enfant? C'est lui qui est le mot enfant. Aide à aide. Aide. D'accord. On aimerait savoir la personne. Comment s'appelle la personne qui a dit le mot aide, s'il vous plaît? Quel est son prénom, s'il vous plaît? Si vous pouvez nous aider à savoir son prénom, merci. Si vous l'avez entendu de votre côté. Vous êtes combien avec nous ici ce soir? Vous pouvez nous dire un chiffre? Combien êtes-vous s'il vous plaît? 7. Vous êtes 7, c'est ça? Bonsoir. Vous êtes 7 de la même famille? Si vous êtes de la même famille, dites le mot famille. Merci. Combien de tombes là-bas? Il y a combien de tombes là-bas? Je me demandais si ça. Ah. C'est les prénoms qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour montrer que vous êtes là vraiment avec nous, est-ce que vous pouvez nous dire combien y a-t-il de tombes sur ce terrain? S'il vous plaît. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Pareil, nous avons entendu le mot aide. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît? Je peux dire le prénom? Ouais. Hein? Je peux dire le prénom? T'as le prénom? Non, mais de la. On a vu. Alors, je peux. Est-ce que Esther est avec nous? On entend une femme depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est Esther? Est-ce que vous répétez Esther si c'est bien vous? Est-ce que vous avez peur de nous? C'est oui, dites-le mot peur. Pourquoi vous avez peur de nous? On aimerait savoir aussi votre âge. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Êtes-vous entiré dans... Est-ce que vous êtes enterré dans ce cimetière? Si oui, dites le mot cimetière.
vous avez des messages à nous transmettre. Est-ce que vous êtes membre de notre famille? Ah, c'était un mouvement encore. Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer la lampe qui posait par terre? Si oui, dites le mot lampe, merci. Bonsoir. Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer la lampe? Oui. Oui, madame. Vas-y. J'ai entendu dans le fond, oui. D'accord, ben, merci. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ça va? Ok, très bien. C'est une dame? Non. Madame, est-ce que vous êtes enterrée dans ce cimetière? Quelle année avez-vous vécu, madame? Bon. Est-ce que c'est Abigail qui vous parle? Y a-t-il une Abigail ici avec nous ce soir? Bien. D'accord. Bonsoir, Abigail. Esther, est-ce que c'est vous qui venez d'allumer la lampe? Est-ce que c'est vous, peut-être, qui avez allumé la lampe quand Nicolas vous a appelé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes toujours sept avec nous ce soir? J'ai entendu oui, mais je suis pas sûr. Il me semble avoir entendu dans le fond, avoir entendu une voix plus de oui. Si vous avez besoin d'énergie, prenez l'énergie de la lampe qui est posée par terre. Oui, la lampe, tout à fait, c'est ça. Bon, on va faire une pause, merci pour les messages. Pas de la santé, Bob. Hop, allez, analyse à chaud sur le live. Ça va, Sophie? Oui. Et quoi comme réponse? Ben, un des deux noms que... Premier ou deuxième? Avec un C. D'accord, la première. Oh, bonsoir. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous, s'il vous plaît? Pardon. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. D'accord. Vous êtes combien ici ce soir avec nous? Tout à l'heure vous étiez 7. Maintenant vous êtes combien? Nous on est 4. Et vous? Vous êtes seul? Vous avez dit seul ou 16? 16. Ah. 16, 13. Bien. Pardon. 16, ok.
Est-ce que c'est un d'entre vous qui a allumé la lumière, s'il vous plaît? Si oui, dites le mot lumière. Est-ce que c'est encore Esther qui l'a allumé? Chapeau. Esther, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Quel est le prénom de la personne qui a allumé la lumière, s'il vous plaît? Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur ou messieurs, dames. Moi, je m'appelle Alexandre. Et vous? Est-ce que vous avez la possibilité de voyager? Si oui, dites le mot voyager. Si vous ne voyagez pas, dites le mot ici. Comme quoi vous restez ici. Vous pouvez demander la laine de sa mort? Par sa colle? À Esther. Au-dessus. Est-ce que toutes les personnes qui sont là ce soir avec nous, vous venez du cimetière? Oui, du mot cimetière. Merci. Il est important que vous répétez ce que je vous demande, s'il vous plaît, pour montrer votre présence. Merci. Donc, est-ce que vous venez du cimetière? Dites le mot cimetière. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au cimetière? On est tous du cimetière. Est-ce que vous êtes en colère contre nous? Non, merci. Vous avez dit tout à l'heure, vous ne sommes pas là pour nous faire mal, nous ne sommes pas vous échapper. Je suis chez vous, encore. Et faire ce que vous voulez. Nous ne sommes pas là pour nous. Est-ce que vous avez compris? Oui. Allez, merci. Tout à l'heure, on a entendu une date, 1800. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu dans cette date-là? Bien sûr. Le tube, c'est pour ça qu'on l'entend loin. Comment? C'est pour ça qu'on l'entend loin à ouais. Chaque fois. Donc si on peut lui donner un peu d'énergie. Oui. Vas-y, mets là où tu penses. Où je pense. Par contre, il y a Alex qui est sorti souvent et Guerre. Mot Guerre, ouais. Et Alex qui est sorti aussi. D'accord. Et ton prénom. Très bien.
là c'est Cécile qui allume, ne vous inquiétez pas. Ça nous permet de tester en même temps les détecteurs. Voilà. Oh, ce ballon. La lumière ne dérange pas? Non. Ouais, c'est bougé un petit peu, mais ça va. Ça va aller? Alors, sur le live, est-ce que la lumière vous fait pas trop mal aux yeux? Est-ce que ça vous éblouit ou pas? Qu'on la change de place. Mais en même temps, si on la voit clignoter, ça nous permettra de confirmer qu'elle se recharge dessus, qu'elle reprend de l'énergie dessus. Parce qu'en fait, c'est une lampe qui, à la fois, permet de se recharger, mais en même temps, vacille dès qu'on la touche. Donc, on a eu la confirmation hier. D'accord. Oui, j'imagine. Ok, déjà, apparemment, c'est bon. Dans un ghetto, mais d'accord. Je pense depuis assez longtemps. Je pense que je vais reprendre. Tu peux, si tu veux, Cécile, tu peux te rapprocher de Nicolas et poser des questions. Parler avec Esther. Non, t'as bien. Anthony est en contact avec elle. Oui, j'essaye. Ah bah, si tu veux, Anto, parler avec elle. J'ai pas plus de. Bah, justement, si tu veux lui poser des questions maintenant avec la spirit. Non, mais c'est ça, j'ai pas plus de questions à lui poser. Ce que t'as posé, oui, c'est. Juste savoir si elle est là, si elle arrive savoir si elle arrive à communiquer, l'encourager pour qu'elle prenne de l'énergie dans la lampe. D'accord. Donc c'est tout ce que nous, pour l'instant, nous lui indiquons. C'est pour ça que j'ai rapproché la lampe parce que, a priori. Ça, c'est les lampes. Enfin, c'est les piles. Alors, c'est lequel? C'est les piles, c'est les pods. Vous pouvez l'éteindre, non? Ouais, on va l'éteindre après. C'est lequel? Non, c'est là-bas, non? Bizarre, hein, le blanc, mais il doit être déchargé, je pense. Tu peux aller voir. S'il vous plaît, merci. Non, mais c'est peut-être pas. C'est peut-être la pile. Hein. Non, c'est les piles. Enfin, c'est la pile. C'est toutes les piles? Non. C'est la pile. La pile du blanc? Moi, je dirais qu'au son, c'est le blanc. Oui. Alors, moi, je saurais pas les reconnaître au son. Hein. Ouais, si. Alors. Il n'y a plus de pile. Ouais. Ouais, quoi? Bah oui, c'est le. Faut changer la pile? Oui, on va regarder. Je suis à l'antenne. Madame est pas dans les yeux. Bon, bah. Là, il peut nous en allumer un, c'est déjà pas mal. Mais après. Et alors, est-ce que. Il se chargeait pas sur la lampe et quand j'ai enlevé la lampe, ils sont allés le charger sur le pod. Je sais pas. Parce que c'est justement du côté où était la lampe. Ouais. Non, je pense que c'est les pile. D'accord. Et il faut rasériser. Il vous la changez pas? On pourrait la changer, oui, mais bon, après on a, bien, deux, on a encore deux pods. Bon, d'accord. Bon. Ok. Ouais. Donc Esther, enfin messieurs dames, si vous avez besoin d'énergie, la lampe qui est posée par terre, elle est là pour que vous puissiez vous recharger. Donc n'hésitez pas. C'est le reflet de la lampe qui se balade. Le reflet sur le téléphone, donc du coup qui fait un petit flair, comme on appelle ça. Tu veux que je la bouge? Ouais, la bouge là. Ça fait un reflet. Non, ça fait un flair, ça fait un flair. Un quoi? Un flair. Voilà. C'est une petite lumière blanche là. C'est la lumière. C'est mieux de la mettre normale. Vous pouvez utiliser le reflet. Non, vous inquiétez pas. Vous la remettez là? Ça sera mieux? Voilà. Comme ça vous va? Je pense que c'est mieux. Oui. C'est mieux pour toi? Non, c'est pareil. Là, faut que tu me causes. Ah, non, c'est pareil. C'est pareil, alors. En fait, faut que tu tournes la lampe. De l'autre côté? Tourne la l'autre côté, ouais. Mais bon, on la verra moins. Je disais, c'est ça. Ouais, mais c'est plus pour. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, une bestiole sur les genoux. Attends. Enlève-toi. Ça a l'air d'aller. Je me prends les insectes sur la gueule. Ah, c'est bon, ouais. Allez, on va sur le Spinebox. Anthony qui te lance. Non, j'ai pas de question, moi, ça va. T'en as bien entendu.
Non, je vais juste y aller là, c'est tout. Bon, non, je vais... Cécile, oui, je vais y aller. Bah, rapproche-toi pour que les... Non, non, mais ça va, je suis... ma voix, tu l'entendras de toute façon. Ok. T'inquiète pas. Je vais aller. Non. Bonsoir. Donc, bonsoir. Alors moi, je t'entends à peine dans le domaine de la vie, t'as pas. Attends, je suis là pour vous parler. Donc, voilà, donc bonsoir mesdames, messieurs. Nous essayons de communiquer avec vous. Nous avons appelé une personne du nom d'Esther qui serait présente, qui aurait peut-être des difficultés à communiquer. Est-ce que Esther peut se manifester s'il vous plaît? Ou est-ce que quelqu'un peut intercéder pour elle? On vient, d'accord, d'accord, très bien. Merci, venez. Donc, si vous avez besoin d'énergie, vous avez la lampe là, la grande bande blanche que j'ai accrochée. Vous pouvez aller vous charger, elle vous donnera de l'énergie. Déjà. Non, on n'entend pas. Non, il y aurait de la musique dans notre scène. Non, non, on n'entend rien. Vous entendez du piano, vous? Un air de piano, ouais. D'accord, mais non, on n'entend pas. C'était quelqu'un qui faisait de la musique, Esther? Bien, donc vous pouvez toucher aussi les potes, si vous voulez vous manifester, vous n'avez pas la possibilité de nous parler, vous n'avez pas l'énergie pour nous parler. Vous pouvez toucher une petite lumière bleue aussi. On connaît la maison. D'accord, donc vous avez... On connaît la maison? Comment ça, quelle maison? Vous avez bien dit, on connaît la maison? C'est une forte expression pour dire qu'on connaît le fonctionnement. De quelle maison vous parlez? Pardon, est-ce que vous avez déjà vu des enquêteurs avec du matériel comme le nôtre? Si oui, dites-le nous à la petite boîte là, noire. Oui, bien sûr. D'accord, donc est-ce que, puisque vous en avez déjà vu, est-ce que quelqu'un peut en toucher un, s'il vous plaît? Ça me fait pas mal, vous voulez que je vous montre? Oui. Présent. Bon, alors, voilà. Esther. Je pense que Esther a dit oui. Je me fais. Esther, est-ce que la lampe est utile pour vous? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci Esther. Tout à l'heure c'était en dans le fond, mais on voit. N'hésitez pas à vous recharger grâce à cette lampe, elle est là pour vous, monsieur. Cécile est en train de vous montrer comment marche les pods, Esther. Elle est détectée au mouvement. Oui, ça fait de la lumière rouge. Oui, rouge, bleu, vert. C'est quand vous en approchez en fait, ça fait de la lumière. Vous pouvez pas parler. Esther, si vous voulez refaire la lumière rouge comme tout à l'heure, il faut vous approcher du pod.
Ça fait pas mal. Pardon. Aïe. Ça, ça fait mal. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal. Oui, c'est vrai. Non, le matériel, non, j'ai rien. J'ai mes mains, j'ai touché. Encore, je n'ai même pas touché, je me suis approché. Très près, mais approché seulement. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Est-ce que quelqu'un se sent prêt, se sent suffisamment fort pour aller toucher un pod? Si oui, donnez-nous votre prénom. Oui, pod, le pod, les petites lumières bleues, on appelle ça des pods. Et alors, est-ce que vous pouvez toucher le pod avec la lumière bleue, s'il vous plaît? Merci. Ça serait une démonstration de votre présence. Est-ce que l'on peut quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est Esther. Oui, mais non, un fond. Ah, oui. Esther, c'est vous qui avez besoin de quelque chose? Vous pouvez dire aide, si c'est le cas, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous voulez qu'on arrête? Non, j'ai parlé en même temps qu'Esther. Désolé Esther, j'ai parlé en même temps que vous. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix ici? Si vous êtes en paix, dites le mot paix, s'il vous plaît. Merci. Si vous n'êtes pas bien, dites le mot pas bien. Ça va. Comment s'appelle la personne qui a dit non? Est-ce que c'est vous, Esther, qui avez dit non? Esther, est-ce que vous êtes avec votre famille en ce moment? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous dérangent? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous dérangent? Est-ce que nous vous dérangeons? Ok. Voilà. Ok, merci. Ah, j'ai bien entendu. Malheureux, j'ai entendu. Malheureux? Qui est malheureux? Qui est malheureux? Qui est malheureux, s'il vous plaît? Différent. Différent. Qu'est-ce qui est différent? Monsieur, qu'est-ce qui est différent, s'il vous plaît? Pardon. Ah oui, ça. Différent. Ah oui, c'est normal. Mais... je pense que le fait de communiquer, comme on fait, je pense à la... C'est ça qui vous... Est-ce que ça vous plaît de... La communication est différente, oui. C'est-à-dire que nous ne vous voyons pas. Donc pour nous, le seul moyen de savoir que vous êtes là, c'est soit vous touchez les petites lumières bleues, soit vous parlez dans la petite boîte là. Et c'est pour ça que l'on vous demande ça. On ne vous voyons pas.
Attendez. Nous, de notre côté, c'est 2021. Et vous, de votre côté, je ne sais pas. Je ne sais pas comment se coule le temps. Attendez. On aurait entendu le mot attendez. Est-ce que. Il y a un dans tout. Il faut qu'on attende quoi? Vous êtes content de communiquer avec nous? Vous êtes content si c'est le cas? Vous êtes pas contente, Esther, de communiquer avec nous? N'ayez pas peur, vous pouvez nous dire tout ce que vous pensez. Vous n'aimez pas ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Si vous voulez qu'on arrête, dites le mot arrête. Merci. Si vous voulez qu'on continue, dites le mot continue. Bon choix. Oui. 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 Mais oui, à quoi? On arrête ou on continue? Arrête. Bon, vous avez dit arrête? Monsieur? Très bien, bah écoutez, on va vous écouter. Rentrons. Rentrez, ouais. Voilà. Vous voulez rentrer? Vous voulez retourner à votre hôtel? Eh ben, on va vous laisser en paix. Et puis on va vous remercier pour tous les messages que vous nous avez laissés. Nous allons l'analyser. Puis peut-être qu'un jour on reviendra, on verra. En fonction de vos messages qu'on aura entendus. Voilà. On va laisser quelques secondes dans le silence. On ne va pas vous poser de questions, rien. Et vous allez juste nous laisser les messages que vous voulez. Donc vous lâchez et vous dites tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie. Je ne veux pas. Arrête. La master, on va. Allez. On va pas plus vous forcer. Bonne nuit à vous, merci encore. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Fin de la séance Pédox. C'est. Voilà. Il voulait plus. Il y a beaucoup de mots qu'on entend au loin, qu'on entend très très faibles. Non, mais. Je pense que tu auras beaucoup de. Je pense que le fait que. Oui. Comme tu as fait, Cécile, le fait d'avoir changé la lampe et puis d'avoir montré que la lampe était là, ça a permis à Esther de. On a mieux entendu. Ouais, elle s'est rapprochée un peu, Esther. Et elle était plus audible. Quand tu as touché les pods, on a bien entendu au rouge. Ah, d'accord. Ah, oui. Ça a bien décrit. Très bien. Non, pas rien. Alors, on va faire le débrief. Oui. Qui veut commencer? Cécile, le temps de commencer? Oui, si tu veux. Allez, c'est parti. Donc, oui, ben, on n'a pas de. Mais c'est la première fois qu'on vient. C'est sans doute une première pour eux, puisqu'on leur a demandé s'ils avaient déjà vu du matériel comme ça. A priori, on a un non. Donc, il faudra peut-être réitérer dans quelques temps. Sinon, on entend des messages au fond, des paroles très ténues.
Et donc ça, il faudra, peut-être vous les avez mieux entendus avec les écouteurs, mais nous, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu comprendre. Donc c'est difficile de rebondir sur leur message si on les comprend pas. C'est vrai que c'était pas... Bon, on savait voilà. On savait un peu que les cimetières, c'est vrai que c'est pas facile, parce que la plupart du temps, c'est des âmes qui sont en paix. Oui. Donc, D'ailleurs, il n'y a pas eu de ressenti de, ni de choses agressives, ni de particulièrement. Non, notre. Non. Mais je pense qu'il y a énormément de choses. Et puis, comme a dit un certain monsieur, ça faisait bizarre pour. C'était pour pas. Eux, oui, de parler comme ça. Le fait de parler comme ça, à travers les ondes. Oui. Ça. Ouais, ils sont pas trop habitués, quoi. Un certain, peut-être c'était la première fois, quoi. Ouais. Très bien. Tu as fini de parler? Oui. Tiens, vas-y. Non, mais pas moi. Pourquoi? Ah, Nicolas, alors vas-y, Nicolas. Bah, ben, un petit peu timide quand même. Te rapproche pas parce que tu dépasses du cadre. Je suis trop grand. Et ouais, donc, j'ai quand même à communiquer un petit peu avec Esther, donc c'était bien. Au début, c'était un peu lointain, ça s'est rapproché un petit peu. Peut-être même la prochaine fois. On verra en fonction de l'analyse. Les messages qu'ils vont laisser. Les caméras, je me tasse quand même. Peut-être qu'on va enregistrer des choses. Messages, ouais. Oui, peut-être de ton côté, ce que tu as posé comme matériel, ça va. Ça complétera peut-être. C'est ça. Ok. D'accord. C'est tout? Merci. C'est bon? Anthony. Ok. Ouais. Anthony. C'est bon, je dépasse pas du cadre. Avec ton beau maillot. Non, tu rentres dans le cadre. Ouais, ça reflète. En fait, c'est le maillot des CDP, mais là, ça fait un peu de reflet. Ouais. Avec la lumière, ouais. Donc oui, il y a l'air d'avoir quelques réponses quand même. Et je pense qu'il va falloir qu'on analyse les réponses, parce qu'il y a des réponses qu'on n'a pas dû comprendre, qui nous sont passées un peu en travers, mais qui doivent être là. Ouais, tout à fait. En tout cas, nous, on a pu confirmer certains prénoms avec les pendules. Hein, Anthony, on fait ça en double. Ouais. Ça nous permet de poser chacun de notre côté la question. Et de voir si on a les mêmes réponses. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir pour un certain nombre de prénoms. Hein. Ouais. Voilà. Donc et Alex alors, toi? Très timide. Bon, on a senti qu'on n'était pas les bienvenus parce que bon, il y a eu pas mal de coupures du live déjà. Alors est-ce que c'était eux? Bon, on ne sait pas. On va rationaliser en disant que c'est les ondes qui n'étaient pas très bonnes ici. Mais sinon, je retiendrai toujours le monsieur qui est bizarre, quoi. C'est très bizarre de communiquer comme on fait, pour certains. Donc pour lui, c'était bizarre. Donc bon, alors on va analyser les réponses, mais c'est vrai que c'est pas des réponses bien importantes. C'est clair que pour certains, on avait l'impression qu'on les dérangeait. Bon, après, c'est un peu normal, quoi. Quand on vient dans un lieu où on se sent en paix, faut aussi aller dans leur sens, quoi. Mais notre démarche est avant tout d'aider ceux et celles qui ont besoin. Et ce soir, j'ai pas vraiment senti qu'il y avait vraiment besoin, à part peut-être Esther, mais bon, on verra. On verra, on va analyser les messages, et puis si franchement Esther a vraiment besoin, ou si quelqu'un d'autre a besoin... On reviendra. On reviendra, on fera une deuxième enquête. Ouais, surtout comme on disait au départ, il y a une trentaine de tombes en état, et puis beaucoup de pierres. Alors il y a beaucoup de corps, on sent qu'il y a quelque chose dans ce terrain, mais pas forcément beaucoup d'entités présentes et qui ont envie de communiquer. Donc ça confirme un peu ce que je pensais, tout en l'infirmant, puisqu'on a quand même eu quelques contacts avec des paroles à analyser. Donc maintenant c'est à toi de travailler. C'est toi qui vas avoir le plus gros du boulot en analysant tout. Et puis n'hésitez pas, si vous avez vu des choses, si vous avez entendu des choses aussi, oui, qui vous ont échappé, de nous les dire aussi, n'hésitez pas. Voilà. Je vais remercier tous ceux et celles qui ont regardé ce live, qui ont partagé ce live aussi. Merci au Modo, merci à tous ceux et celles qui ont regardé. Merci à tous. À bientôt pour une nouvelle enquête. Si franchement on a passé les 20 000 comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura une autre enquête, on verra. Merci à tous et bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit.